Salut à tous, c'est Citadin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto assez classique basé sur le parcours d'entraînement de Black Ops 6, le multijoueur. On va retrouver ses mouvements, bien entendu, sur Warzone et regardons un petit peu comment les maîtriser, les gérer, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Pour les paramètres, je vous renvoie à ma vidéo, vous avez le lien en description afin de pouvoir mettre les paramètres qui vous permettront de pouvoir bouger de cette manière-là. Je propose à ceux qui ont l'habitude de jouer à la licence des mouvements de base de passer et d'arriver directement au timecode sur les omni-mouvements de base. Bon, les mouvements de base, c'est assez simple, on est dans notre petit parcours d'entraînement. Bêtement, vous pouvez marcher et vous pouvez sprinter. Bon, c'est pas bien compliqué. Marcher, c'est quand vous êtes comme ceci, courez et puis vous sprintez pour aller beaucoup plus vite et ça permet de pouvoir faire tout ce qui est le cancel slide et tous ces mouvements un peu sympas. Un autre élément, c'est le tir au jugé. On a tendance, et moi aussi, et moi le premier, à vouloir, lorsqu'on voit un ennemi, viser et puis tirer. Alors que des fois, on va gagner quelques balles précieuses en tirant d'abord et puis en visant. Donc travailler vraiment ce tir au jugé, c'est important. Regardez dans le viseur, je pense qu'on connaît tout ça. Hein, c'est pas bien compliqué, voilà. C'est quand même un peu le but, hein, il faut viser pour tirer. S'accroupir, bon, c'est la position un peu la moins sympa. Hein, mais on va voir un peu comment on peut faire ce qu'on appelle des drop shots. Ce sont des tirs couchés. Bon, en gros, le drop shot, c'est quoi? C'est vous tirez et vous maintenez la touche pour vous accroupir, enfoncer en tirant. On va prendre une cible par ici, vous tirez et vous accroupissez. Maintenant, on va voir justement le mouvement pour glisser et faire tous ces petits cancel style. Vous sprintez et vous glissez, tout simplement. Et on a maintenant le plongeon, vous glissez et vous maintenez la touche pour glisser, enfoncer. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les paramètres que j'ai réalisés il y a quelques jours. Maintenant, on va regarder avec ces nouveaux mouvements, on a de chouettes petites choses, c'est pouvoir justement se déplacer, tirer en glissant. Alors vous pouvez le faire comme ceci, très important, travaillez toujours le tir au jugé. Donc ça, c'est simplement en le faisant au jugé, mais on peut également le faire tout simplement en visant. Il faut savoir que en visant, la distance de la glissade est beaucoup plus longue. Chose assez simple ici, vous savez qu'en multi vous avez différents atouts et attirail de combat. Ici, c'est bêtement la boîte de munitions. On vous demande simplement de lancer une grenade. Vous avez le petit rond qui circule à côté afin de pouvoir régler le moment où l'accessoire va être détonné ou déclenché. La para, facile, c'est connu. Voilà, ça, vous pouvez skipper. Si vous ne connaissez pas encore, on va manœuvrer la petite XRD au fur et à mesure des games. Vous allez faire des points et vous allez pouvoir justement accumuler différentes améliorations pour pouvoir vaincre vos ennemis. Et là, c'en est une. Voilà pour les mouvements de base et l'équipement indispensable en multijoueur. On va maintenant aller voir ce qu'il en est au niveau des mouvements omnidirectionnels. Bon, ici, vous allez devoir sprinter en vous déplaçant à droite et sprinter en vous déplaçant à gauche. Cependant, vous devez bien faire attention à bien appuyer sur le bouton L3. Voilà, et là vous faites vraiment le bon mouvement. Et on va voir un peu comment on peut combiner ça avec le saut, avec le fait de se accroupir. On peut également faire la même vers l'arrière. Et là vous faites vraiment un saut vers l'arrière. Et vous pouvez le faire après également vers l'avant. Mais ça on l'a vu, c'est le plongeon. On va faire la même chose. Ici, faites bien attention que vous devez maintenir la touche s'accroupir. Si vous appuyez simplement sur la touche accroupir, vous allez simplement glisser. Et ce, dans tous les sens. Vous pouvez vraiment glisser à 360 degrés, ok? Par contre, lorsque vous la maintenez, vous allez vraiment faire des plongeons. Même sur le côté, vous avez le plongeon et la glissade. Ce sera vraiment à vous d'aller sur cette petite map protocole et de tout simplement essayer et de gérer tout cela. Bon, maintenant, on va pivoter en plongeant. Ici, maintenant, on va faire la séquence où on va pouvoir sauter, faire un 180 degrés et aller viser l'ennemi. L'ennemi se trouve juste là, d'accord? On va prendre le temps ici sur la map, vous arrivez, vous sautez et vous prenez de court l'ennemi. Ça qui est bien avec ces mouvements là, c'est qu'une fois que vous êtes en mouvement, en déplacement, vous pouvez aller dans tous les sens. Par exemple, il y a quelqu'un ici en bas, vous pouvez vous accroupir et vous vous retrouvez sur votre dos. Alors n'oubliez pas qu'une fois que vous êtes sur votre dos, ici nous sommes sur le dos et on va voir comment on peut se déplacer ici avec la visée. Je connais très bien où spawn les différents joueurs, mais vous pouvez vraiment vous déplacer à 360 degrés. Et ça, on va dire que c'est assez stylé. Et vous pouvez combiner ça avec les mouvements qu'on a vus juste avant. Vous pouvez également plonger vers l'avant et aller viser ailleurs. Mais bon, vous voyez que vous êtes quand même beaucoup plus lent. Donc essayez de préconiser le bon mouvement par rapport à l'endroit où se trouve l'ennemi. Bon, maintenant on va voir la glissade et l'attaque plongeante.
Ce mouvement-ci est un peu ce qui va être utilisé de manière surtout défensive. Évitez d'utiliser ce mouvement de manière offensive car lorsque vous allez finir le plongeon, vous verrez, vous vous retrouvez au sol et assez immobile, donc vous faites une cible parfaite pour l'ennemi. Là ici, on a un ennemi à droite, un ennemi à gauche. On va devoir tout simplement courir, plonger et en même temps que nous plongeons, on va diriger notre visée vers l'ennemi. Comme vous le savez, on peut prendre les joueurs ennemis en otage et les servir comme bouclier humain. Vous pourrez ensuite décider soit d'appuyer sur R3 ou d'appuyer une seule fois pour l'exécuter lentement en animation ou rapidement. Alors, last but not least, ils nous ont ajouté des petits emotes et des sprays, enfin ajouté, ils nous ont remis ceci. On va voir comment les faire, c'est assez simple. Ça sera très utile sur Warzone pour pouvoir voir certains ennemis dans des angles. Comme vous le voyez, vous devez simplement maintenir la flèche de gauche et là, vous choisissez l'emote que vous faites. Et intéressant, c'est qu'on a une vision à 360 degrés. En multi, c'est compliqué car le mode de jeu est vraiment très rapide. Mais ça permet de donner une info, est-ce qu'il y a quelqu'un ici par exemple? Je pense que c'est tout pour les omni-mouvements, j'ai pas d'autre chose en plus à vous expliquer à part aller sur une map, aller en partie privée, essayer, prenez avec des bots, comme ça vous verrez un peu comment ça se passe. Rendez-vous également aussi en zombie, où vous pouvez jouer à la troisième personne pour voir comment ça se passe. Et là, vous apprendrez beaucoup plus de choses. Alors là, malheureusement, on n'a pas de sensibilité précise lorsqu'on est dans les airs. C'est une sensibilité, je pense, qui est réglée en mode preset. On ne sait pas la changer, on ne sait pas aller plus vite dessus. Donc, il faudra faire un petit peu avec.